Ok, relais frangin, j'espère que tout le monde va bien. Vous êtes sur la chaîne RC Mimus, la chaîne des débutants qui fait les choses sérieusement, dont le cercle est très très large, très très large. Et le kiff total, avec sa petite communauté très sympathique, le garage RC Mimus qui kiffe de foufou. Et je pense vous le rend bien et vous le rendra encore mieux à l'avenir. On est dans le quatrième buggy testé dans les mêmes conditions sur le même spot. Ce coup-ci, c'est le tour du MP9. Donc vous voyez qu'on n'est pas tout seul. On va vérifier 2-3 trucs là. Les pneus, c'est pas terrible. Ça va pas du tout, les pneus ils sont tout pourris. Bon, les pneus sont morts. Vous voyez un petit peu, c'est une catastrophe au niveau des pneus. On dirait une doromotrice carrément. J'ai un peu mis les boosts et tout ça à mort. On va y aller tout doucement. Peut-être on va changer les pneus de... Ouais, je crois que je vais changer les pneus, les intervertir, je sais pas. Vous allez voir, peut-être un drag break qui traîne quelque part, je sais pas, pourtant c'est pas ce que j'ai mis. Je vais vérifier un petit truc vite fait. On va se mettre sur le truc adéquat. J'espère que vous allez bien, on va aller le faire sauter très vite. Hein. On va aller vérifier un truc. Je vire un peu par là, ok. Donc là ça va pas au niveau de ma direction. Je fais des petits réglages. Par là-bas. J'ai vu la VMAX. Ah ouais, je suis... Ça glisse énormément là. Ok.
Ok, on va partir sur la spot d'à côté. On va partir en mode bumpy. J'espère que vous allez bien. Bon, voilà, là, c'est histoire 2. Les pneus sont vraiment dans un état lamentable. C'est une catastrophe, les gars. Il n'y a rien à dire là-dessus. Comme c'est une cata, on va y aller tout doux. Ouais, c'est l'arrière qui décroche. Voilà, ça va bumpy un petit peu, les gars. On va se faire ce comparatif tranquille. On va écarter ce banc là. Vous connaissez le spot. On va voir ce que ça va donner. On va acheter le sac. Peut-être pas très bon. Wow. On porte. Ah bah voilà. Ça accroche mieux. Oh, oh. Le saut aurait été raté. Ok, bon, ça va. On va essayer de pas arriver de travers aussi. Il a tendance à partir un peu sur le teco. Voilà, bien. Ah, c'est pas mal. Bon comportement. Par contre, les pneus pourris là dans l'herbe, bien. On va pas déjà être en cut-off là. C'est un peu mieux ça. C'est pas mal le MP9. Il est pas ridicule là le machin. Attention, celui-là n'a plus rien à voir avec le RPR, je le reprécise. C'est très très bien le MP9, les gars. Alors, qu'est-ce qu'on a dessus? On est à 1900 kV, je crois, pour la petite histoire. Ah bon? On a 1900 kV sur un Vario Toro Competition Sky RC. Toro Competition 150, il s'appelle. C'est un tout petit Vario, mais qui balance 150 ampères, ce qui est pareil. On est en 4S. Le châssis, il n'y a plus rien qui est identique avec la version du MP9 classique sur celui-là. Vous voyez que les amortos, déjà, on a revu le truc complètement. Tout a été revu dans cette histoire. Tendance à partir un peu de travers, le Zozo. Alors ça, c'est pas mal, niveau... Ouais, c'est pas mal du tout, les gars. Je sais pas ce que vous en pensez. Ouais, c'est pas mal du tout, franchement. Comportement plutôt bien, plutôt très sain. On n'a pas assez braqué. Il s'extrait. Attention. Par contre, on n'est pas du tout sur la même précision avec ce cerveau de direction. Je le sens 20 fois.
Là, on a un cerveau connect pas terrible, hein. Franchement pas très réactif. Je le sens. Mais bon, c'est correct. Il faudra changer le cerveau. Ce buggy mérite un autre cerveau, franchement. C'est le cut-off. T'as entendu la musique? Wow, ça a été rapide, hein. C'est 4000 mAh la batterie. J'en ai ramené une deuxième, ça va aller. Elle est bien calée. Donc je vais vous montrer un petit peu ça. Je l'ai jamais épargné ce buggy, c'est celui qui a pris le plus cher de tous ceux qu'on a. Et lui est arrivé tout. Vous voyez le petit... Ah ouais. On a le petit... On a le petit vario. Ça a bien chauffé. Ouais, elle a bien chauffé cette fois. Tiens, deux secondes. Bah, le petit vario, le petit Sky RC, c'était pour essayer un rapport qualité. S'il y avait un rapport qualité-prix évident avec ça. Ça a l'air de pas trop chauffer. Le moteur, ça va très bien. Le moteur, c'est un Performa par contre. C'est un, si je ne m'abuse, c'est un 2100. Non. Par contre, on n'a pas un pignon de fou, je crois, dessus. Ce serait à revoir. J'ai mis un 2100 kW dessus. Qu'est-ce que j'ai foutu? Je suis un dingue. Ah bon? Je trouve que ça tire pas trop, en fait. Ça va pas. Je crois que ce vario ne tire pas la quintessence et la pleine mesure de ce moteur. Manifestement, on a mis un petit ventilo qui est dans cette position pour pouvoir justement bien fermer la carreau. Ok. Le fameux cerveau connect qui est pas terrible, pas très réactif. C'était un dépannage, donc il n'y a plus rien d'origine sur ce châssis, les gars, comme je vous le disais. Plus rien du tout, mais plus rien, même les barres, tout ce que tu veux, châssis, barre de renfort, combo, tourelle avant, tourelle arrière, les huiles d'amorto, la platine de devant, les roulements à billes à l'intérieur, le palonnier, les triangles de devant, c'est pas ceux d'origine. Même ça, cet amorto-là, on l'avait fracassé, on l'a changé. Qu'est-ce qu'on a changé d'autre là-dessus? La cale arrière. Ce renfort-là, je vous l'ai dit. Le châssis en lui-même, je vous l'ai dit aussi. Bon, il y a beaucoup de choses qui ont été changées. Ah oui, à l'intérieur des... comment dire, des diffs, on est passé à du 4, 4 satellites, puisqu'il n'y avait que 2 satellites là-dedans. Ouais. C'était que... je sais, c'est bizarre. Mais c'était comme ça. C'était le truc de base. Les frérots, attendez, on va mettre ça ici sur la carreau en espérant ne pas les foutre ou les mettre je sais pas où. Donc on a un peu modifié tout ça, quoi. On a un peu modifié tout ça. Par contre, je trouve qu'on va changer le vario. Le vario, il va sauter. Ce moteur, on va peut-être le récupérer aussi. Super format 2100. Donc c'est pas un HMX, celui-là. C'est la gamme en dessous. C'est des moteurs que tu peux faire tourner avec tous les varios. Tu n'es pas obligé d'avoir un truc compatible Performa ou HMX pour cette occasion. Ça, on va peut-être le pincer dedans, ça va être mieux. On ne va pas laisser se balader ce truc-là. Si ça veut bien faire comme on veut. Il fait très chaud dehors. On a des températures pourtant très correctes sur l'ensemble du setup. C'est une bonne chose, nous dirons. On va peut-être voir, je sais pas, c'était super rigide et ça s'est fluidifié, peut-être la chaleur. Peut-être qu'il faut aller plus dur encore dans les huiles avec des températures comme celle-là. Certainement d'ailleurs, certainement. Donc pneus éclatés de récup qui traînent à droite à gauche dans le garage. Même concept que pour les autres sessions et les autres setups. On a fait rouler ici. On est reparti. J'espère que ça tourne. Hein. Mais il a un bon comportement quand même. Claque un peu trop, hein.
Là, on l'a rattrapé un peu, ça part en sucette, les gars. Très bien. On dirait que le... Ouais, les huiles, c'est pas assez dur. Je crois qu'on va lui tarer ses ressorts là tout de suite. On va l'amener ici. Qu'est-ce que c'est pas terrible ce cerveau de direction. Qu'est-ce que c'est lent, qu'est-ce que c'est imprécis. Alors, qu'est-ce qu'on va se durcir là? On va pas aller bien loin en fait. Hein. Qu'est-ce que c'est déjà? Non, j'ai assoupli, je crois. Non, le con, j'avais assoupli en fait ici, au lieu de durcir. Ouais, c'est le contraire ce que j'avais fait. De mémoire, ouais, j'avais. Ouais. Ouais, de mémoire, c'est ce que j'avais fait en fait. J'avais assoupli les huiles. Je vais durcir. Lui, on va durcir. Ah, c'est bon. Super comportement aussi à le MP9 Kyosho en l'air, hein, les gars. Très bon comportement. Après, les amortos, ça va pas, on l'a compris. Trop tendre, avec la température d'aujourd'hui, ça pardonne pas du tout. Donc ça vient complètement claquer. Heureusement, on est dans l'herbe. Donc ça va le faire. Tu vois, si je vais dans l'autre sens, par exemple, tu vas entendre claquer tout, là. Oh. Ouais, j'ai vraiment moins de... Allez, sors-toi de là. C'est bien. Ouais, j'ai vraiment moins de directivité, je le sens. Ouais, c'est vraiment pas mal. On l'a bien esquivé, hein. Ouais, c'est super hein, le MP9, hein. Très bon comportement. Bon, ce qui déconne là, les huiles d'amorto beaucoup trop tendres. On va dire, elles sont en mode hiver là. Ouais, il est super. Très bonne mention donc. Il y a deux bonnes mentions. Des réglages assez foufou sur le vario, mais je les sens pas tellement. Ce sera quand même quelque chose à revoir. Super. C'est vraiment pas mal du tout.
Aïe! Ah oui, ils sont faits pour voler ceux-là. Tu peux le rattraper en l'air en fait. On essaye de corriger. En fait, quand tu accélères fort en l'air, tu corriges l'assiette. Bon, il est où là? Je le vois plus. Trop de grip. Cut off, ça y est, plus de batterie, c'est fini. On va prendre les températures vite fait. Voir si on est bon. Donc les accus sont morts. Hein. Le cut-off, je l'ai remonté. Hein. Si vous voulez tout savoir. Je l'ai mis, j'ai fait une programmation, je l'ai monté un peu parce que ces accus sont fatigués. Donc voilà, voilà ce que ça donne. Ah, il est chaud, là. C'est possible, je viens souvent tester des choses ici. Le moteur, ça a été un peu plus de gouache. Bon, bonne soirée à vous, messieurs. Bye bye. Température, ça va. Bon. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Oh, il y a un petit bruit, là. Il y a une petite couinance, là-dedans. Je sais pas d'où elle vient. Mais j'ai entendu. Bon, les huiles, ça va pas. Là, on est en été. Enfin, c'est des températures super estivales. Donc, ça tape trop fort, du châssis. Enseignement de cette journée. Deuxième enseignement. Changer ce vario. Troisième enseignement, parce que j'ai plus confiance en lui en fait. Je n'ai plus confiance dans ce vario, les gars. Et puis j'ai envie de. Je suis sûr que le moteur il peut donner beaucoup mieux que ça. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Ouais, c'est tout. Sinon, dernier enseignement, à part que les pneus sont éclatés, inadaptés, vous voyez, c'est du pneu, c'est complètement lisse, là je touche, ça glisse dessus, c'est raboté, et ça c'est des pneus tout pourris, hein. Je vous le dis tout de suite, c'est les pneus d'origine du Kyosho, c'est de la grosse merde, avec une jante même fissurée ici sur le côté, si tu le vois, donc on est en mode à cube, vous voyez, donc premier enseignement, les amortos, faut les refaire, faut durcir pour le MP9, ensuite, ah ouais, les skid plates aussi, on les a rajoutés sur ce châssis, qui n'est pas d'origine. Deuxième enseignement, le vario, il va sauter. On va mettre un... Ça va terminer avec un XR8 SCT, ça, je pense. J'ai un petit bruit. Je sais pas si vous entendez, il y a un petit sifflement caractéristique, un petit peu. Et puis, le dernier enseignement de toute cette affaire... qu'il a un bon comportement, très bonne note moi je trouve en l'air pour le Kyosho, moi j'adhère même en roulant avec des bons pneus, super comportement je trouve, mais c'est vraiment de la merde ces pneus là. Oh, comment ça va pas, vous avez vu comment ça a réagi sur le goudron, sur le parking, on aurait dit une deux roues motrices, ils sont tout mous, tout pourris.
ils prennent pas la puissance, ils l'encaissent pas du tout. Mais c'était sympa, c'était très sympathique. Voilà, bah écoutez, vous étiez sur la chaîne RCM Muse, la chaîne des débutants qui fait les choses sérieusement, dont le cercle est très large. Les compétences, c'est vous qui les avez. Concrètement, ça a été intéressant ce qu'on vient de voir sur notre Kyosho. Vous voyez, il a pris cher celui-là. Il est de toutes les expériences. Il a pris cher. On va vérifier un petit truc sur l'orientation de notre caméra. J'espère qu'on est bien dessus. Notre ventilo, il va très très bien apparemment. C'est important. Donc, on a fait le point. Moi, j'ai plus confiance dans ce variateur. Le petit Toro 150 ampères là, c'est bien pour dépanner, mais je trouve qu'il y a un truc qui va pas. Je sais pas quoi vous dire. Après, le pignon, j'ai un quoi ici. Là, j'ai un petit truc ici, hein, je crois. Attendez, je vais vous le dire vite fait. Vous avez vu comment ça a été meulé une fois avec des pierres à Silex Land. Là où j'ai abusé, c'est d'emmener ce buggy plusieurs fois faire des runs sur une place, une grande place gigantesque où tu peux bourrer plein de balles, mais c'est que du silex. Voilà, donc ça a tout fraisé partout. Regardez mes triangles arrière, comment ils sont. Puis j'ai des pierres qui sont venues se coincer là-dedans, là, ici. Elles sont venues carrément fraiser le carter, mais pour l'instant tout va bien. Pour l'instant tout va bien au niveau de notre carter. On n'a même pas de fuite en fait. On a bien chauffé quand même. Alors j'ai combien dedans? On va dire, on va prendre le 5e repère. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. C'est un 15 dedans ça. Je suis un peu surpris d'être sur un 15 dedans. C'est bizarre que ça tire pas un peu plus. Ouais, c'est que t'emmènes rien du tout toi. Faudra nettoyer l'intérieur du ventilo, il y a plein de petites merdes qui sont rentrées dedans. Donc ce qu'il faut faire, ce que je veux faire sur ce buggy, c'est changer les huiles d'amorto. Je veux durcir sur celui-là. Je veux changer le vario. On fera les diffs par là même. On risque de passer sur 10 000, 12 000, 5 000 pour les huiles, je pense. Est-ce que je veux faire d'autres? Qu'est-ce que je voudrais faire d'autre sur lui? Donc j'ai dit vario, cerveau, les huiles d'amorto, les huiles de diff, ça me paraîtrait pas mal. Voilà ce qu'on peut faire éventuellement. Bon, ce coup-ci, vous étiez vraiment sur la chaîne RC Mumus, la chaîne des débutants qui fait les choses sérieusement. On a terminé le petit test du MP9. Moi, je dis oui pour le MP9, malgré qu'on ne lui a pas rendu service avec ses pneus-là à l'arrière. On lui a pas rendu service avec le réglage d'amorto d'aujourd'hui. Sinon, ça marche nickel. Big up, hey, à bientôt.